Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live et Télévision. Nous sommes le mardi 18 octobre 2022. En direct et en exclusivité, Mouinouka Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos compatriotes, bonjour à tout Congolais partout où ils se retrouvent. Plusieurs nominations au sein de l'armée. Félix Tshisekedi accélère en tout cas le processus de restructuration du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi en tout cas, semble décider d'opérer un grand changement au sein de l'armée congolaise. 4 jours après avoir participé en personne à l'intronisation du lieutenant général Christian Tshiwewe comme nouveau chef d'état-major général des FRDC, il a mis en retraite son prédécesseur, le général d'armée Mbala Moussense Célesté. D'autres changements ont été annoncés hier lundi soir. Le lieutenant général Marcel Mbangu Machita est nommé commandant de la 3e zone de défense en remplacement de Philemon Yav. La zone de défense est l'une, en tout cas entité territoriale inter-force dans laquelle des unités terrestres, aériennes et navales opèrent sous un commandement unique. La 3e zone de défense comprend les provinces ici de l'ancienne province orientale et celle du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Son prédécesseur, est en prison depuis mi-septembre. L'arrestation du général Yav est arrivée pendant que il faut préciser que son prédécesseur est en prison depuis mi-septembre. L'arrestation du général Yav est arrivée pendant que j'étais en séjour ici à l'étranger. J'ai cru comprendre qu'il était accusé par certains ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever les pieds et permettre au M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma, avait expliqué le président Tshisekedi lors d'une interview exclusive et accordée à France 24 et RFI. Ancien commandant des opérations Sokola 1 dans le territoire de Beni au Nord Kivu, le lieutenant général Marcelin Mbangu Machita avait dirigé la commission d'enquête chargée d'élucider les circonstances de la mort le 28 février 2020 du chef des renseignements militaires ex de MIAP, le général-major Delphé Kahimbi. Dans ses nouvelles fonctions, le lieutenant général Marcel Mbangu Machita sera en tout cas secondé par les généraux Kiamasa Mutupeke et le général Sangwe John. Désormais, général de brigade John Timbangu a été nommé commandant. Commandant de la 21e région militaire au Kasaï oriental. Il remplace Marcelin Mbangu Machita, nommé commandant de la 3e zone de défense. Au sein de l'armée congolaise, la région militaire est une circonscription militaire comprenant en tout cas des unités de la force terrestre. Le commandant de la région militaire a pour mission d'assurer la mise en condition des unités sous sa responsabilité. Il faut dire pour sa part, le vice-amiral Kouyandi Ahmed et le nouveau chef d'état-major de la force navale et le général-major Ngama Lembe Frank va diriger la force aérienne, tandis que le général-major Singa Bugena a été nommé commandant du corps de santé militaire. De son côté, le lieutenant général de brigade Sylvain Ekenge a été nommé commandant du service de communication et d'information des forces armées SIFA et les nouveaux, en tout cas, porte-parole des FRDC. Il remplace le général Léon Richard Kasonga, qui devient chef adjoint de l'armée en charge de l'administration et la logistique.
Il faut dire que plusieurs montées en grade ont été également annoncées. Le général-major Toumba Frank, le général-major Marcelin Bangou, le général-major Linguma Matt et le général-major Kasereka Sindani Etienne, le général-major Diansuka Diakianka et le général-major Kifwa Kambili sont promis chaque grade de lieutenant général. Alors, Aspirine, la question ici, c'est en tout cas comprendre que plusieurs nominations au sein de l'armée, on voit un président, le chef de l'État qui accélère le processus de restructuration du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons beaucoup plus commenter la nomination du général Marcelet, un vaillant combattant qu'on a vu qui a mis pression aux ADF à Béni. Aujourd'hui, il nomme, il remplace le général Léave Aimon. Comment vous analysez cela? Excusez, monsieur les journalistes, moi je vais commencer juste à la nomination de Marcelin Tchiwewe. Christian Tchiwewe. Christian Tchiwewe, pardon. Voilà. Alors, qui est actuellement le chef d'état-major. Exactement. Il y a un point commun dans tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Okay. C'est un message fort. Alors, allons-y comprendre que tous ceux-là qui sont promis, ils sont presque majoritairement trop jeunes, monsieur le journaliste. Deuxième point, ils sont majoritairement révolutionnaires. Et c'est quelque chose qui doit donner un message fort à tous les agresseurs du Congo. Je commence sur John Tibangu, qui a été arrêté par Kabila à l'époque. Arrêté par Kabila, arrêté par la justice congolaise. C'était la justice de monsieur Kabila. Oh. Il a été arrêté par Kabila. Kabila jeune, pas Kabila père. Au niveau de la Tanzanie, en disant qu'il voulait organiser un coup d'État. Mm-hmm. Mais c'est un révolutionnaire, il ne comprenait pas comment quelqu'un peut être dans un pays et qu'il ne travaille pas pour l'intérêt de son pays. Et lui, il voulait se révolutionner contre Kabila. Aujourd'hui, il revient, c'est un général maintenant. Il contrôle mm-hmm. les Kasaï. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est lui qui était à Beni, Marcelin Mbangu, oui. qui aujourd'hui... Il a raté plusieurs embuscades, il faut rappeler. Ça je sais, et les Congolais devraient bien le savoir. Et étant aussi trop jeune, il a mis la pression sur les terroristes ADF Nalu. Mm-hmm. Et à son époque, vous l'avez tous compris, comment est-ce qu'on a récupéré le triangle de la mort. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'était grâce à lui. Mm-hmm. Et aussi en connivence avec Mamadou Serge Sérieusement. Aujourd'hui, il est nommé, il va contrôler maintenant, c'est les grands qui vont en général, si on peut dire ainsi. Et comme il va les contrôler, je vous jure que nous allons compter au bout des doigts la présence des 1-23. Ça, je suis sûr et certain. Et troisième point qu'il faut voir dans cette nomination, oui, est de comprendre que ceux-là qu'on nomme sont les personnes qui ils ont juré sur la paix et la cohabitation au Congo. Et si on peut voir la lignée de ces personnes qui venaient d'être nommées, ils sont de la lignée de ceux-là qui jurent que le Congo est un indivisible. C'est que c'est un message fort qu'on vient de lancer aux agresseurs, oui, du Congo. Et attention, puisque on avait suivi comment est-ce que le général Marcelin Mbangu, comment est-ce qu'il avait mené les enquêtes dans l'assassinat de monsieur du général Delphin Kayimbi. Ouais. C'est que moi je pense que ils font bien... Excusez qu'on revienne sur un peu le parcours de Marcelet, parce que c'est quelqu'un que moi-même je maîtrise bien. J'ai travaillé avec lui dans les opérations à Beni, lors de la traque des ADF. Il faut préciser que le 27 octobre 2018, le général Mbangu est le premier officier de FARDC à révéler que les ADF opèrent désormais dans la région de Beni sous un nom appelé ADF, MTM ou MTM Madina, c'est moins islamique, qui signifie la ville Madina du monothéisme et des monothéistes. Voilà. Il faut préciser qu'en 2013 d'abord, Marcelin Mbangu est désigné commandant adjoint à la 32e région militaire chargée des opérations et renseignements
en Ituri, Bounia, avant d'être nommé en 2015 commandant du secteur opérationnel militaire Sokola 1 Grand Nord à Beni, poste qu'il occupera pendant 4 ans. Alors, s'il faut ajouter, il faut dire que Marcelin Mbangu va également révéler que sous ce nouveau nom des ADF, ils ont adopté en tout cas une stratégie pour convaincre l'extrémiste international en fait que ces derniers leur viennent en aide. L'objectif étant de créer un État islamique et de partir de Madina dans le territoire de Beni. Après ce remplacement à la tête des opérations Sokola 1 à Beni, le général Mbangu sera désigné pour diriger la commission d'enquête pour élucider les circonstances de la mort du général-major Delphé Kaimbi, chef d'état-major chargé des renseignements militaires des FRDC. Donc, il faut en tout cas dire que depuis 2020, le général Mbangu Mashita était commandant de la 21e région militaire au Grand Kasaï, Mbujimayi, réputé homme du terrain. Dans ses nouvelles fonctions, il va en tout cas faire face à plusieurs groupes armés, dont les ADF, les M23, Codeco, Mai Mai, pour ne citer que cela. Vous comprenez le parcours d'un général, d'un vaillant militaire. Ce qui doit nous enchanter, nous, la population qui vous sienne, la personne qui est nommée aujourd'hui, c'est une personne qui maîtrise la région en général. Ouais. C'est une personne qui connaît très bien le terrain. Okay. Ce que moi, je pense que nous, comme population, ce que nous devons faire, c'est d'accompagner ces vaillants militaires afin qu'ils puissent faire leur travail comme il faut. Deuxièmement, on peut aussi craindre aussi ce qui est sûr, puisque là où il y a des bonnes choses, il y a toujours aussi des mauvaises choses, les mauvais côtés. On peut craindre que le général, comme il maîtrise déjà le terrain, oui, qu'il puisse se jeter ou bien se lancer dans le business aussi, comme on a vu, on a vu les Yav, les Moyav. Non, il faut être clair, monsieur le journaliste, comme on a vu les Yav et les autres, puisque nous-mêmes, la population, on décriait les comportements de monsieur Yav. S'il vous plaît, vous savez que... Nous, on ne peut que souhaiter au nouveau commandant, ouais, et lui rassurer une franche collaboration entre la population, puisque l'ennemi a divisé l'armée et la population. C'est pourquoi vous avez vu les comportements de certains généraux, en l'occurrence M. Philemon Yav. On ne cite pas les noms, s'il vous plaît. On parle de l'actualité. J'assume mes mots. S'il vous plaît, on parle de l'actualité. C'est notre armée. Exactement. Et nous devons la soutenir. Exactement. Nous savons, c'est notre armée. C'est aujourd'hui que notre armée est en train d'être réformée. À l'époque, vous avez vu quel jour où un généraux a été arrêté dans ce pays. Et aujourd'hui, quand même, il y a des réformes. Et ça, nous devons bien applaudir et acclamer et accompagner cette armée. Mais en l'accompagnant, nous ne pouvons pas oindre l'huile là où il y a des mauvaises choses, monsieur le journaliste, que l'État congolais puisse recouvrer cette puissance d'être un État congolais. Et pour le recouvrer, ces réformes, monsieur le journaliste, ces réformes aujourd'hui qui se fait, qui s'opèrent dans l'armée. Et pourquoi ne pas dire c'est lui qui a fait du mal, monsieur le journaliste. Ça, tu sais que tu es très déterminé à rendre cette armée la vraie armée que les Congolais attendaient. Hein. On voit en tout cas... L'armée comment congolaise, comprendre cela? L'armée congolaise est républicaine. C'est que c'est pas l'armée de monsieur Tshisekedi. Ça, on le sait. C'est l'armée de la population. Chose qu'on n'a pas vu congolaise dans les régions passées. Hein. Exactement. C'est pourquoi je l'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des réformes et nous devons accompagner ces réformes, monsieur le journaliste. Et l'armée congolaise restera républicaine. Et être républicaine, c'est cette franche collaboration dont certains militaires commençaient déjà à briser avec la population. Vous comprenez? C'est que nous, ce qu'on peut dire est que le nouveau commandant, c'est un commandant qui maîtrise bien la région, oui, et c'est quelqu'un à qui nous devons porter notre soutien. C'est notre armée. Que certains politiciens commencent à... Puisque hier, j'ai suivi certains politiciens qui commençaient à se murmurer concernant ce qui se passe dans l'armée. C'est notre armée. Ce n'est pas une armée politique. L'armée est apolitique. Et nous devons les soutenir comme peuple congolais, puisqu'ils se battent pour nous, monsieur le journaliste. Alors, on a suivi, en regardant les images de Beni, nous avons appris que... En tout cas, le général a raté plusieurs embuscades à Beni des ADF parce que c'était un homme qui maîtrisait bien les terrains et c'est quelqu'un qui a mis mal à l'aise les ADF
Aujourd'hui, avec ces nouvelles fonctions, est-ce qu'on peut attendre quelque chose? Excusez-moi, je l'ai dit juste au début. Nous devons à tout prix attendre quelque chose puisque c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le terrain et c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, monsieur le journaliste. C'est une personne très déterminée et c'est une personne très intelligente, monsieur le journaliste. C'est que nous, ce qu'on peut demander, qu'il ne puisse pas changer tout simplement. Parce que quand on dit de bonnes choses pour quelqu'un, et la personne finit par changer. Mais nous, on aimerait qu'il ne puisse pas changer, qu'il puisse continuer comme il a toujours été. Nous savons ce qu'il a raté comme mort dans le Grand Nord, comment est-ce qu'il a été piégé des attentats. Mais nous, comme Congolais, on priait toujours pour lui et le Père Céleste a protégé ses vaillants. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut que promettre la paix au peuple congolais. Attendons voir, nous sommes sûrs et certains qu'il va se démarquer comme il s'est toujours démarqué. Tous les groupes armés, je crois, c'est le bon moment qu'ils puissent déposer les armes et travailler tous ensemble pour la paix de cette république. On voyait le général Marcellet, c'est la même promotion que le colonel Mamadou. Hein? Oui, ils étaient toujours ensemble, ils se parlaient toujours. Je l'ai dit, il est de la lignée de personnes qui pensent que le Congo restera un et indivisible. Certaines personnes, avec leurs illusions, commençaient à dire que non, Bounagana sera un petit pays d'à part. Non, c'est impossible. Il y a les voyants qui se battent, il y a ceux-là qui prient pour ce pays. Et aujourd'hui, je crois que, messieurs, le général Marcellet Mbangou, c'est une réponse pour la paix à l'est du Kivu. Certainement que la paix n'est pas l'affaire d'une seule personne. La paix, c'est l'affaire de tout citoyen congolais digne de lui. C'est que tous, dans l'ensemble, nous devons nous battre. Nous, comme population, on doit dénoncer. Voilà, ici, il y a des mauvaises choses, il y a des mauvaises personnes. Et eux, comme armée, ils vont se battre. D'accord. Ensemble, on va changer cette république. Ensemble, tout Congolais va vivre la paix comme on l'a toujours souhaité. Revenons sur cette dépêche de la radio Okapi qui date de 2017. À Beni, les convois du général Marcellet Mbangou, commandant des opérations Sokola 1, attaqué par les présumés ADF, est mort. Les convois du commandant du secteur opérationnel des opérations Sokola 1, le général Marcellet Mbangou a été attaqué par des présumés rebelles ougandais des ADF mercredi 18 octobre 2017. C'était comme c'était au mois aussi d'octobre. Hein. L'attaque a eu lieu sur la route Mbao Kamango, au près kilomètre 16 dans le territoire de Beni. D'après le capitaine Mike Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1 à l'époque, qui a livré cette information à la radio Okapi, le général Marcellet Mbangou se rendait au front pour vérifier les dispositifs qui ont été mis pour sécuriser cette route lorsque son convoi est tombé dans une embuscade des ADF. Il avait dit, je cite, « C'est au niveau du PK-16 que nous sommes tombés dans une embuscade de l'ennemi. L'une des jeeps de l'escorte est détruite », affirme le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, assura que le général Marcellet Mbangou est sorti sain et sauf de cette embuscade après des échanges de tirs d'environ 30 minutes avec les assaillants. Un militaire avait été tué, quelques blessés également enregistrés, avait précisé Mike Azukai. Le capitaine, en tout cas, Mike Azukai avait déconseillé à la population de fréquenter pendant cette période la route Mbao Kamango, signala que l'armée est en train de ratisser les secteurs pour les pacifier. D'après lui, l'attaque du convoi du général Mbangou survenait ce mercredi n'a fait qu'anguiser voilà, le patriotisme et la détermination de l'armée à découdre avec l'ennemi. Vous venez de souvenir cette dépêche qui date de plus de 3 ans, c'est depuis 2017, plus de 4 ans, 5 ans. En fait, vous savez, je suis parmi ceux-là qui pensent que tout le monde a son histoire et tout le monde, son chemin a été créé. Je ne peux pas assez commenter, le personnel est déjà là, nous avons déjà des personnes dignes de soi
Et nous avons déjà des commandants, des vrais commandants de guerre. Mmh. Et des vraies personnes qui savent réellement le Congo c'est quoi et qui y ont l'amour de cette république. Mmh. Nous, on ne peut que demander à monsieur le chef de l'État de les doter maintenant de moyens logistiques adéquats. Mmh. Et lorsqu'on va doter une logistique à ces vaillants militaires, je vous jure que tout Congolais va vaquer librement. Je ne suis pas un prophète, mais ce que je dis... ça c'est en ligne, ça c'est sûr et certain. Nos compatriotes sont en train de nous suivre. De partout où un Congolais se retrouve dans rien de jour, vous allez comprendre que les Congolais qui sont au Congo, ils vont vaquer librement à leurs occupations. Et on va marcher dans cette ville, dans nos territoires, en paix, puisque nous avons aujourd'hui des vrais commandants, des vrais Congolais qui vont diriger les opérations. De Mai Mai, Codeco, M23, ADEV, indépendants à l'annonce du général Marcelin Bangou, parce que déjà, les patrons de la zone de défense. Non, comme je l'ai dit, c'est un appel de paix, monsieur le journaliste. Ils peuvent déposer les armes s'ils se sont constitués. Même les M23 mais oui, qu'ils déposent les armes. Mais oui, qu'ils déposent les armes. Puisque ce sont des citoyens qui vont mourir, monsieur le journaliste. Oh. Si, mais je vous dis, si le Codeco... Vous avez suivi Mouyaya hier? Non. D'accord, vas-y d'abord avec... Non, lui, oui. Mouyaya, lui... Il a précisé que le gouvernement ne va pas surtout négocier avec les M23. Je vous dis, Mouyaya, lui, chaque sortie médiatique, c'est un scandale. C'est que lui, on peut d'abord mettre à côté. Alors, moi, je disais quoi, monsieur le journaliste? C'est si Codeco, c'est un groupe armé congolais, oui. il peut déposer les armes. Il faut déposer les armes et rester calmement, évacuer librement à leurs occupations. C'est révolu aujourd'hui, au XXIe siècle. Toi qui t'appelles congolais, tu te décides de prendre les armes. Ces jeunes garçons que vous avez instrumentalisés, mais sont des Congolais. Déposer les armes calmement et être réintégré. Puisque le gouvernement congolais a prévu un programme de tous les combattants, de tous ceux-là qui s'appellent combattants, que moi j'appelle des brigands, d'ailleurs des voyous, qu'ils déposent les armes et être réintégrés dans la société. C'est tout à fait normal. Le Congo, c'est un pays riche, déposer les armes et réintégrer dans la société et revivre comme tout le monde. Puisque il y a ceux-là qui pensent que les groupes armés, ce sont des groupes communautaires. C'est très faux. Quand un groupe Mai Mai est constitué, ils violent les mamans, les filles, ils volent les personnes de leur contrée, monsieur le journaliste. C'est que personne ne peut soutenir un rebelle. On doit à tout prix soutenir les groupes loyalistes. Quant à la sortie de monsieur Patrick Mouyaya, que moi je qualifie d'un faux communicateur du gouvernement, c'est sa première fois de dire de bonnes choses. On ne va pas négocier. Mais c'est sa première fois depuis qu'il a été ministre de la communication. Quand il dit qu'on ne va pas négocier avec les groupes armés, avec les M23 et les autres. Oui. Parce qu'ils ne font pas prendre M23 seulement. Il y a M23, Codeco, les Mai Mai, les Tcheka, les Akutumba et les autres. Ils doivent déposer les armes calmement. Ceux-là qui sont congolais, qui soient réintégrés dans la société congolaise. Oui. Ceux-là qui sont des étrangers, qui puissent revenir chez eux, point barre. Qui puisse rentrer chez eux, expatrier chez eux. Et s'il faut revenir sur ses propos, il a dit négocier avec les M23, il est hors de question de négocier avec un mouvement terroriste. Réplique le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Si nous sommes déjà en train de négocier avec les Rwandais, pourquoi on perdrait le temps avec les M23? Il suppose même, il dit si nous sommes, il suppose. C'est ça l'hypocrisie de ces fameux warriors, de ceux-là qui s'appellent warriors. Certainement qu'ils ne sont pas tous des warriors, comme je l'ai toujours dit. Mais le chef de l'État doit tirer conséquence. D'accord. Doit en tirer conséquence. Oui. Et le chef de l'État doit comprendre que tous ceux-là qui sont dans ce gouvernement, ils ne sont pas tous d'accord avec lui. C'est tout à fait normal. Mais le chef de l'État, il doit bien revoir aussi son sentir de conseiller. Il a certains conseillers malveillants qui n'aiment pas le Congo et qui ne veulent pas voir son succès. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Nous sommes apolitiques, sérieusement. Nous, vous êtes apolitiques, les jeunes si des mouvements citoyens. Les appel à vous. Non, moi je ne peux pas. Tant que ce qu'il dit, il a... Non, je suis clair, monsieur le journaliste. Tant que le chef de l'État a des mauvais conseillers, il ne peut pas changer. D'accord. Il faut avoir des conseillers révolutionnaires, monsieur le journaliste. Comme vous.
Je suis clair. Attends, moi, comme moi, vous, vous êtes révolutionnaire quand même. Exact, je suis révolutionnaire. Merci beaucoup, Espoir. Nous sommes à la fin de cet entretien. Moi, je l'ai dit, nous sommes justement à la fin. Mm-hmm. Mais moi, je ne peux pas travailler avec le chef de l'État tant que il a encore de mauvais conseillers. Deuxièmement, notre vocation, c'est pas d'être conseiller du chef de l'État. Non, ça c'est pas. Devenir son ministre. Pas mes ministres. Sérieusement, qu'on peut, nous avons quelque chose qu'on peut donner. Qu'est-ce que vous avez envie de remplacer? Un ministre. Oui, que vous avez envie de remplacer. Non, personne. Parce qu'ils sont plupart de nos ministres sont des fainéants. Oh, mais je peux. Par exemple. Nzangi, c'est un fainéant. Arrête, mon frère. Non, je suis ça, clair. C'est trop, hein. Je suis clair comme l'eau de la roche. Nzangi, c'est un fainéant. Vous avez suivi ce qu'il merci a dit beaucoup. Sur l'état des sièges. Merci. Il a dit quoi? Mais il a dit que si on lève l'état des sièges, c'est troubler les militaires. Ça, c'est vouloir caporaliser nos militaires. Nous avons des vaillants généraux et ces vaillants doivent être au front, pas dans des bureaux. Merci c'est beaucoup. Ça, rendre. Merci beaucoup, Espoir. Notre armée. Merci. Mais les ministres comme Daniel Ancelo, maître Daniel Ancelo, c'est un ministre il fait la fierté. Qui donne quand même tout ce qu'il a pour le pays. Les ministres comme Aimé Bodji, j'ai dit Guy Luendo, non, lui n'en parlons pas. Mais merci moi beaucoup. Je pense que. Merci, on reviendra sur ça prochainement pour analyser. Conclure, monsieur le journaliste, pour conclure, nous ne pouvons qu'encourager les nouveaux promis. Oui. Et nous pouvons les rassurer, nous comme la population congolaise, nous pouvons les rassurer notre soutien. Appui et soutien. Puisque nous, comment est-ce que nous allons les accompagner? C'est un message fort que je lance à notre population. Cessons de collaborer avec les groupes armés. Nous devons collaborer avec les groupes loyalistes, ce que l'armée congolaise et la police nationale congolaise, dans le sens de vouloir ramener la paix. La merci. Paix, c'est une affaire de tout le monde. Merci beaucoup. C'est un devoir sacré pour tout citoyen merci. Congolais. Merci. Fait de cet entretien, c'est que tu parles votre numéro de téléphone. Nous sommes sur le +243 9 92 66 42 08. Zangi va vous appeler. Non, Zangi, c'est parmi les ministres malheureux. C'est parmi les ministres merci beaucoup. Qui ont détruit s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça c'est un débat, ça c'est une interview scientifique. Exactement. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Vous avez aimé l'interview. Le chef de l'État doit être prudent de collaborer avec les ministres déjà de Nzangi. Celui qui a trahi, trahira toujours. Il a trahi Katumbi pour des postes, c'est l'argent. Et demain, il peut encore trahir Tshisekedi pour l'argent. Non, la politique. Non, il faut éviter une politique girouette. Oh. Il faut éviter une politique girouette. Ça, c'est une prostitution politique. C'est pourquoi moi, je déteste certaines personnes. Merci. On reviendra sur ça prochainement. Merci, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.